Avec Marion, on se connaît depuis qu'on est tout petit, donc on habite aux Deux Alpes, on a été à l'école ensemble aux Deux Alpes, on a été au ski club et l'objectif c'était de faire une journée commune pour faire découvrir les disciplines. Yoann et moi on se connaît depuis longtemps et c'est vrai que dès qu'il m'a proposé un peu de partager nos passions, ça m'a tout de suite plu. Monter sur les skis le matin et puis ensuite conduire avec lui l'après-midi, c'était super excitant comme petit challenge. Hop, remets les roues droites, voilà. Le ski de Marion, depuis le ski club, il a vraiment évolué et son titre de champion du monde, ça le montre bien. Quand je lui ai demandé tout à l'heure sur une piste comme ça, combien de virages elle fait dans une descente, qu'elle m'a dit bon, 1, des fois 0, ça laisse quand même vraiment rêveur. Être passagère de Yoann, c'est vrai que c'est hyper impressionnant parce qu'il maîtrise le sujet à fond et vraiment dès qu'il appuie avec cette petite voiture hyper énergique, ça te colle au siège, on sent vraiment qu'il y a de la puissance sur le capot. Le ski et le rallye, c'est deux disciplines qui sont vraiment proches. On a beaucoup de points communs comme l'engagement, la prise de risque, la vitesse, les trajectoires. C'est des choses qu'on retrouve dans les deux disciplines et qui se regroupent bien. Vivre une journée comme ça avec Yoann, c'est vrai que c'était super. On a partagé ça ensemble aux Deux Alpes, on est remonté sur le glacier où on a fait nos premiers tours de ski ensemble petits et puis là il m'a fait partager sa passion et c'était vraiment génial. Pour nous, c'est vrai que c'était une journée un petit peu exceptionnelle puisqu'on avait la chance de recevoir nos deux champions. Les Deux Alpes ont choisi d'avoir des ambassadeurs dans plusieurs disciplines, mais surtout des sportifs qui ont vraiment un esprit Deux Alpes, qui ont envie de parler de leur station et de représenter leur station. Donc avoir Marion Rolland, championne du monde de descente en titre, et aussi Yoann Bonato qui est bientôt en passe de gagner l'Adam Cup, c'est pour nous très important. Et puis les retrouver un coup sur le glacier, un coup dans la voiture, c'était un petit peu la concrétisation de ce qu'on imaginait pour véhiculer l'image des Deux Alpes.